Chers sœurs, chers frères, une fois de plus, les événements à l'échelle internationale nous rattrapent et nous donnent des leçons à méditer pour ceux qui ont encore un cœur qui médite. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Et je vais juste prendre deux événements ou deux faits, un au niveau international et un au niveau local, pour que ce soit un sujet de méditation pour nous. Au niveau international, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Quelle a été la réaction de l'Europe? Le soutien à l'Ukraine, le soutien politique, économique et médiatique, le soutien militaire et humanitaire, et les sanctions contre la Russie pleuvent chaque jour. Si vous prenez la même Russie d'hier qui a attaqué, tué en Afghanistan, aucune réaction, c'est normal, il s'agit des musulmans. La Russie a détruit la Tchétchénie, a massacré, a pillé, a tué, aucune réaction, c'est normal. Ce sont des musulmans. La Russie a bombardé les Syriens innocents et a soutenu un criminel de guerre. Aucune réaction, c'est normal, ce sont des musulmans. La Chine extermine dans des camps de concentration les musulmans ouïghours. Aucune réaction, c'est normal, ce sont des musulmans. Un véritable génocide en Birmanie contre les Rohingyas. Aucune réaction, c'est normal, ce sont des musulmans. La colonisation, la destruction de Gaza à plusieurs reprises, l'emprisonnement à ciel ouvert de Palestiniens. Aucune réaction, c'est normal, ce sont des musulmans. Et la liste est malheureusement encore très longue. Ça, c'est à l'échelle internationale.
Et vous pouvez comparer l'hypocrisie internationale. Jusqu'à quel niveau d'humiliation internationale et locale, collective et individuelle, on attend d'arriver pour comprendre et prendre notre destin en main. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت أيها الأحبة إن هذا الحديث الشريف يظهر بوضوح أن أسباب تراجع المسلمين أسباب ذاتية نابعة منهم بالدرجة الأولى فقد كان سلفنا يعتقدون أنهم خلقوا لحماية الدين والدفاع عنه حتى أثر عن بعضهم هذا القول ما من مسلم إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام فلا يؤتين الإسلام من قبلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait un diagnostic pour décrire l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui au niveau international et au niveau local. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. Et les compagnons ont été étonnés. Ya Rasulallah, est-ce que c'est parce qu'on sera plus nombreux ce jour-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Au contraire, vous serez très très nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent, c'est-à-dire faible et méprisable. Allah va alors retirer des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous et il mettra dans vos cœurs al-wahan. Et les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que c'est que l'wahan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est l'amour d'ici-bas et le fait de détester la vie dernière et la mort. Si nous, musulmans, nous ne prenons pas conscience que ce qui nous arrive à l'échelle internationale et ce qui nous arrive au niveau local pointe une problématique qui, avant tout, est une cause interne. Rien alors ne changera si ce n'est en pire. Ce hadith est clair sur le fait que notre décadence est le résultat amer de ce que nous avons semé de nos propres mains. Et les gens pieux, vertueux, parmi les premières générations qui avaient cette conscience, qui avaient cette dignité, qui avaient cette fierté, qui ne s'obtient pas par la désobéissance, elle s'obtient par l'obéissance à Allah. Ils considéraient qu'ils étaient tous responsables de la défense de l'islam et des musulmans. Et il disait, chaque musulman est un maillon de l'islam. Alors, ne sois pas le maillon faible par qui vient la défaite. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه
إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. Parmi les maladies, الوهن, qui sont la cause de notre faiblesse, de notre humiliation, quel que soit notre nombre. Quel que soit notre nombre et quelle que soit votre attitude, on ne parle pas ici de la violence, on ne parle pas ici d'agir d'une manière illégale, on dit juste qu'il faut se réveiller et avoir une conscience et participer et agir d'une manière positive. Parce que personne ne prendra la défense de la cause de la communauté musulmane si les musulmans eux-mêmes sont endormis, si les musulmans eux-mêmes ont démissionné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la cause de cette humiliation, c'est parce qu'on a suivi le matériel id-dunya et qu'on a abandonné l'akhira et qu'on déteste rencontrer la vie dernière à l'akhira. Et une autre maladie, c'est la division entre les musulmans. La division entre les musulmans à cause d'un tribalisme. Chacun se réfère à sa cause, à son origine, à sa manière de voir les choses, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde des gens qui, lorsqu'ils se sont mis à se vanter de leurs ancêtres, de leur origine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que cessent ceux qui se vantent de leurs ancêtres, qui ne sont rien d'autre que le carburant du feu et de l'enfer. Sinon, ils vont encore tomber plus bas dans le mépris et l'humiliation. Qu'est-ce que c'est plus bas? Ils seront plus méprisables alors auprès d'Allah que le scarabée, le bousier qui pousse les excréments avec son nez. C'est-à-dire que l'humiliation, elle peut atteindre un degré encore plus bas, c'est-à-dire devenir comme ce bousier, akramakumullah, cet insecte, ce scarabée qui roule les excréments et qui roule la bouse pour se nourrir. Devenir plus humilié que cela. Devenir plus bas que cela, parce qu'on refuse collectivement de nous soigner spirituellement et de prendre notre destinée en main et de refuser ce qui arrive aux musulmans à l'échelle internationale et ce qui arrive aux musulmans à l'échelle locale. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa al-ghafur. Alhamdulillah Rabbil Alameen, salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal ahibba, an Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mathalu ummati, mathalu al-matar, la yudara awwaluhu khayr am akhir. Ayyuhal ahibba, إن أمتنا هذه أمة أبية فيها خير عظيم لا ترضى الذل والهوان. جعل الله الخير في هذه الأمة إلى آخر الزمان. وقيل في معنى هذا الحديث أنه يكون في آخر الأمة من يقارب أولهم في الفضل وإن لم يكن منهم حتى يشتبه على الناظر أيهما أفضل وإن كان الله يعلم أن الأول أفضل. وروى ابن ماجه رحمه الله في سننه أن أبا عنبة الحلالي رضي الله عنه وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فلا بد أن يكون لدينا يقين في نصرة الله تعالى لهذه الأمة بنا أو بغيرنا، كما قال الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. Quand on fait un constat, ce n'est pas pour tomber dans le pessimisme, ce n'est pas pour tomber dans le désespoir, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas du khair dans cette communauté, mais c'est d'avoir une lecture juste, une lecture pragmatique et réelle de notre situation et de notre état pour pouvoir changer et nous améliorer. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi, ma communauté est comme la pluie. On ne sait pas si le meilleur est à son début ou à sa fin. Et les savants disent au sujet de ce hadith qu'il y aura toujours au sein de cette communauté des hommes et des femmes qui refuseront l'humiliation, qui refuseront la faiblesse et la défaite, et qui œuvreront justement pour mériter cette dignité et cette fierté et cet honneur qui est réservé par Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs croyants. Ma communauté est comme la pluie. On ne sait pas si le meilleur est à son début ou à sa fin. Et si on accepte cette situation à l'échelle de la communauté et au niveau local et au niveau individuel, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit « Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous et ils ne seront pas comme vous. » واستغفر الله لي ولكم واستغفره انه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما رزقت واعطيت، حبب الينا الايمان، وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين ومع الراشدين، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اعزنا بطاعتك، اللهم اعزنا بطاعتك، اللهم ارفع عنا الذل. اللهم ارفع عنا الذل، اللهم ارفع عنا الظلم، اللهم ارفع عنا الظلم، اللهم كن لهذه الأمة وليا ونصيرا، أيدها، انصرها، ثبتها، استخلفها، اللهم اجعلنا اللهم استعملنا فيما يرضيك ويعز هذه الأمة، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع عنهم الظلم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم استعملنا في رضاك، اللهم استعملنا في رضاك. اللهم اجمع شملنا وحد صفنا واجعلنا على قلب رجل واحد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. ايها الاحباب، يوم الاحد ان شاء الله محاضرة للشيخ الدكتور إلياس الدردون حول كيفية فهم القرآن الكريم. Dimanche 6 mars à partir de 15h jusqu'à 18h30 il y aura un colloque au sein de la mosquée avec le docteur Cheikh Ilyas Dardoun et le thème sera sur comment comprendre le Coran. Vous êtes tous conviés. À 15h.